travaille au département de neurologie à la Pitié-Salpêtrière. Comme tout le monde, 2018 commence à être un peu problématique sur l'état de nos effectifs, avec de moins en moins de candidats et puis une problématique de recrutement que tout le monde a connue à la PHP. On se dit qu'on veut mettre tous les atouts de notre côté, nous, encadrement supérieur, pour être meilleur et en tout cas capter le mieux possible les candidats dans le cadre d'un entretien de recrutement. Donc on met en place une espèce d'enquête sur le terrain auprès de nos étudiants de troisième année et de deuxième année et auprès des jeunes infirmiers qui avaient pris un poste chez nous pour essayer de déterminer, de mettre en évidence des critères qui sont attendus des candidats et qui feraient en sorte qu'on les fait basculer, enfin en tout cas qu'on les convainc de venir chez nous travailler dans nos services. Donc on a fait cette enquête auprès des étudiants et des jeunes infirmiers. Ce qu'il en ressortait, c'était qu'en numéro un, ce qui leur importait le plus, c'était l'ambiance de travail. Or, nous, cadres, c'est compliqué de dire juste qu'il y a une bonne ambiance dans le service. Donc, on s'est dit la meilleure façon qu'on a de le faire, c'est pas seulement comme on faisait jusqu'ici de les mettre en lien avec les infirmiers du service et l'équipe quelques minutes, parce que c'est ce qu'on faisait habituellement, de les laisser parler ensemble après l'entretien de recrutement avec le cadre. Mais c'était carrément de les mettre en immersion, qu'ils puissent se rendre compte réellement de ce que c'est que le contenu du travail dans le service, de pouvoir jauger effectivement de cette ambiance dans l'équipe, la relation avec les médecins, le binôme avec les aides-soignants, est-ce que ça fonctionne bien, la relation avec le cadre effectivement, et puis avec, effectivement, on peut poser des questions qu'on ne pose pas forcément dans le cadre d'un entretien de recrutement un peu formel avec un cadre ou un cadre supérieur. On peut poser des questions qui fâchent un peu plus ou qui sont plus terre à terre. Quoi. En gros, le planning, est-ce qu'on échange tous les deux jours? Est-ce qu'on me rappelle sur mes repos? Est-ce que je pourrais faire des heures sup parce qu'on sait que ça arrondit les fins de mois? La réalité du terrain. Quoi. Et du coup, on joue la transparence complète en faisant maintenant des demi-journées, voire des journées d'observation sur le terrain. Et qui permettent d'être très complémentaires de ce que peuvent dire les cadres dans le cadre d'un entretien de recrutement classique.